Sur le terrain, sous la direction de l'arbitre luxembourgeois, monsieur Roger Philippi, qui sera assisté de messieurs Jeannot Poggi et François Mangin, un trio d'arbitres venus donc du Luxembourg. Et un trio d'arbitres que l'on connaît très bien sur les terrains français, puisque la Fédération française de football fait appel à ce trio d'arbitres pour diriger certaines rencontres de National ou de Division 2. Et c'est la musique militaire du 43e régiment d'infanterie de Lille qui va dans quelques instants exécuter les hymnes nationaux, l'hymne sud-africain d'abord, en l'honneur de nos visiteurs, et puis ensuite l'hymne de l'équipe de France. Suivi de la Marseillaise, remarquablement chantée par les spectateurs de Bollard, qui prouvent qu'ils sont parmi les meilleurs de France. Mais ça, on le savait déjà, Jean-Michel. Et donc, on va découvrir cette équipe de France, cette composition plutôt d'équipe qu'a mis sur pied Aimé Jacquet, avec, pour certains, une première cape comme la casquette que l'on remettait au capé, qui réussissait, qui entrait dans la sélection anglaise, avec Letizia, dont c'est donc la première sélection, et Guy Varche, ainsi que Thierry Henry, le duo d'attaquants français. Alors là, l'interrogation, Thierry, ce sera de savoir si Pires, le droitier qui préfère jouer à gauche, jouera à droite, ou si Henry, le droitier qui joue d'habitude à gauche, jouera à gauche ou à droite. C'est une petite astuce tactique qu'a mise sur pied Aimé Jacquet. Les nombreux remplaçants, il pourrait y en avoir un de plus, mais Christophe Dugarry a été ménagé, et Christian Jean-Pierre, qui sera notre homme de terrain, nous a dit que les entraîneurs s'étaient mis d'accord sur 4 remplaçants joueurs de champ plus un gardien de but. Voilà, c'était un scoop de Christian Jean-Pierre. Du côté de l'Afrique du Sud, Thierry,
deux grands absents, l'homme à tout faire, le poumon de l'équipe, Marc Piche, et surtout le meneur de jeu, celui que l'on appelle le docteur là-bas, docteur Kumalo. Docteur Kumalo, oui, ils ne seront pas là tous les deux puisqu'ils sont blessés. Mais l'équipe qui est présentée à Lens ce soir est une formation qui, à n'en pas douter, va être peut-être un petit peu impressionnée par les conditions climatiques de la partie. Je vous l'ai dit, le terrain risque d'être glissant et impressionné aussi par l'adversaire. Car vous l'avez fort bien dit, Jean-Michel, tout à l'heure, c'est le premier test grandeur nature que passe cette jeune équipe sud-africaine. Et on a vu le toss jeté par l'arbitre, monsieur Philippi. Le toss maintenant, on ne choisit pas entre le ballon et le terrain, Thierry. On choisit uniquement le terrain. Et Didier Deschamps a décidé de jouer donc de droite à gauche. En première mi-temps, il faut dire que ça s'est calmé un petit peu, mais qu'auparavant, même si les tribunes sont superbes, même si elles sont très hautes, il y avait un fort vent sur la pelouse de Bollaert, une forte pluie. Tout ça s'est quand même très sérieusement calmé, Thierry. Oui, et c'est la nouvelle mascotte de l'équipe de France, c'est-à-dire notre ami Jules, qui va donner le coup d'envoi de ce match. Alors Jules est très décrié, le petit-fils de monsieur Jules Rimet crie au scandale. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi. La mascotte qui a été choisie, bon ben ma foi, elle est un petit peu franchouillarde, certains la trouvent ridicule. Bon, bref, toujours est-il que c'est la mascotte de l'équipe de France, elle ne représente que ça. Ça n'est pas le fils de Jean-Claude Darmon, ni la fille de Jean-Claude Darmon, heureusement pour lui. Bien qu'il soit le père de cette mascotte, du reste, Jean-Claude Darmon, qui sera demain avec Aimé Jacquet, l'invité de Téléfoot, pourra nous en parler lui-même. Cette mascotte, en tout cas, va accompagner l'équipe de France tout au long de cette saison, qui, espérons-le, durera le plus longtemps possible et pourquoi pas jusqu'au 12 juillet, c'est-à-dire jusqu'au jour de la finale de la Coupe du Monde. Les Sud-Africains qui sont à gauche ont donné le coup d'envoi et font circuler le ballon avec une première faute d'Emmanuel Petit, un revenant dans cette équipe de France. Emmanuel Petit qui est maintenant londonien puisqu'il évolue à Arsenal. Une situation de hors-jeu et une réponse immédiate à la question que l'on se posait tout à l'heure. Thierry Henry, comme à Monaco, et sur le côté gauche de l'attaque. Donc Robert Pires, lui, se trouvera de l'autre côté. Voilà le premier ballon touché sous le maillot de l'équipe de France A par Thierry Henry, qui a donné derrière à Dossaï. Georges Kaef, qui a cherché Guy Varche, lui aussi, signalé en position de hors-jeu. L'arbitre, monsieur Philippi, a fait signe à son assesseur qu'il avait vu son drapeau levé. Un hors-jeu qui était plutôt de Guy Varche, effectivement, alors que le ballon, lui, était plutôt destiné à Robert Pires. Avec un ballon dégagé de la tête par Tordella, de Saï qui a récupéré. Et premier ballon pour Lionel Letizy, le gardien de but du Football Club de Metz. Le leader du championnat. Pires. Très bon relais. Thuram. Pires est revenu. Oh, quel bon petit ballon. Varche. Georges Kaef peut centrer, centre contré. Et il pleut à nouveau très fort pour saluer cette attaque, cette première attaque tricolore. Pires. Pires qui était aux prises avec Touvi. Didier Deschamps est venu en appui, il a manqué son plat du pied. Et les joueurs sud-africains se dégagent, vient jouer Massinga. Ballon qui arrive sur l'aile gauche, tout à fait jusqu'à Bartlett. La touche sera en faveur des Sud-Africains. Ah, il y a des joueurs particulièrement de Mautong, numéro 2. Beaucoup de mercenaires dans cette équipe d'Afrique du Sud, des joueurs qui évoluent en Turquie, qui évoluent aux USA, qui évoluent en Angleterre. Alix, qui évolue en Italie, bien sûr. C'est Phil Massinga. Mautong, ballon perdu par les Sud-Africains, récupéré par Emmanuel Petit, Henri de Saï. Letizy.
Blanc. Candela. Sur le soulier de Thierry Henry. Matong pour faire la remise en jeu pour l'Afrique du Sud. Chercher Massinga. Une interception d'Emmanuel Petit et touche pour la France. Possédé par le numéro 1, Tinkler. Coup de ballon. Celui-là, il est à Moëti et il est sud-africain. Galélé. Il va s'enfermer, ça va être dur pour lui. Obligé de mettre cette balle en profondeur. Directement dans l'équipe d'élite ici. De Saï. Massinga qui récupère ce ballon a bien joué, mais il est contré par Candela. Jorka Eftalonade, Petit. Oui, bonne amortie de la poitrine. Il s'est bien dégagé, Thierry Henry. Il va falloir changer de côté. De Saï. Ce qui est bien fait, bien là. Fait. Guillaume Jorka F. En jeu. Non, il s'est cru. Il a cru comme vous qu'il était hors jeu. Oui, je crois que c'était extrême limite. La ligne des. Ah, c'est ici en bas. Il était couvert en fait par Motong, Stéphane Guivarche. Et le juge de touche, ou l'arbitre assistant plutôt, avait parfaitement jugé cette action. Au début de ce match, Jean-Michel, une pensée pour Claude et Christian Saïs et Fabien Drevet. Thuram. Avec une possibilité pour Lilian Thuram. Deschamps devant lui. Pires vient réclamer ce ballon. Finalement, Deschamps récupère. Pires va changer de côté. Oui, dans le dos. Candela, Petit, attention. Il va parler. Et intervention de André Arense. Il avait frappé sans regarder, sans contrôler Emmanuel Petit. Et c'est Eric Tinkler qui était venu contrer. Attention. Mais, chercher la transversale vers Bartlett. Mais les Français repartent. Jorkaef. Ça va être dur. Mais il va passer un petit peu accroché. Faute. Et sans doute un carton. Oui, alors que monsieur Philippi, lui, considérant que c'est un match amical, oui, mais pas trop sévère. Jackson avait accroché Jorkaef, il est vrai. Et vous voyez à l'écran. Entrée Laurent Blanc. Kylma Singa est venu. Tendu. La tête, récupération de Deschamps. Il redonne à Jorkaef. Thuram appelle sur le côté, préfère revenir vers Deschamps. Dans le trou. Et ballon perdu. Kylma Singa. Bartlett. Et ballon devant. Il va vite Bartlett, il est costaud, il va le récupérer. Et bien revenu. Candela qui met ce ballon en touche. Matong. Ah, il a pris un contre-pied complètement Bartlett. Et surtout une touche à refaire. Mais monsieur Philippi, lui, ne va pas la faire refaire. Il indique une sortie de but pour Lionel Letizy. C'est risqué parce que c'était dans l'axe. Massinga, il a tenté la louche, elle n'est pas passée, il va avoir une deuxième chance. Là, il met la balle au sol. Frappe à ras de terre, mais complètement écrasé à côté du but de Letizy. Huitième minute, toujours 0-0 à Lens entre la France et l'Afrique du Sud. Thuram, Laurent Blanc. Les Sud-Africains qui ne veulent surtout pas subir, donc qui jouent très haut. Candela, chercher Thierry Henry. Mais ballon
qui est accompagné en sortie de but par Luca Radebe, le capitaine de cette sélection sud-africaine, numéro 19, qui va permettre à son gardien Arendse de se dégager. Il a été bousculé, Emmanuel Petit, et Massinga peut passer, mais Candela. Reviennent très vite et sur les portures du ballon, les Sud-Africains. Allez, une montée. Thuram. Énergie va se mettre en jeu. Aïe, 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 attention au contre maintenant. Arplette. Il va aller lui donner au bon moment. Le timing. Le bon tacle, l'un des très très rares tacles de Laurent Blanc. Mais cette fois-ci, le défenseur de l'Olympique de Marseille a été obligé là de se jeter dans les pieds de Kaelé. Premier corner. Première touche plutôt à côté du poteau de corner. Et ballon à nouveau dégagé en touche par Robert Pires, toujours pour l'Afrique du Sud. Oui, quel beau choix. Se retournant, frappe en pivot de Moshu et il ne prend pas de risque Lionel Letizy, il fallait la prendre avant qu'elle ne touche le sol. Laurent Blanc, Candela, Thierry Henry, Guy Varche dépossédé du ballon, les Sud-Africains vont se dégager par Moetti, Moshu, Moetti à nouveau. Écarté vers Tim Clair. Moshu à nouveau. Moutang. Adébé qui cherche. Attention, il tente une transversale. Il faut retourner la chercher. Ce qui sera fait. Ballon qui n'est pas dans le perdu. Massinga, mais Letizy sera à la hauteur de ses 16m50 et relance vers Laurent Blanc. Pour l'instant, n'a pas pu sortir de sa défense. Et je doute que si ça se présente, il le fera. Deschamps, ah oui. Ils arrivent vite hein, pour oui. Venir subtiliser le ballon. Pour le moment, ils axent leur jeu surtout sur les actions défensives, Thierry, les Sud-Africains. L'honneur de dire, ça ne va pas être facile de nous manœuvrer. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le rythme? Parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Hein. Moshu sur le côté gauche, là-bas. Spivey. Il bouge beaucoup, il bouge très bien. Ils nous ont fait un échauffement à la brésilienne. Se livrer. Ballon perdu. Candela. Récupération sud-africaine. Il n'est pas sorti. Et Djorkaeff va s'en saisir. Il cherche un petit peu de renfort. Oui, Guy Varche. Un bon ballon. Le poteau qui sauve Arendse, le gardien de but, sur cette première frappe de Stéphane Guivarch. Il lui faut pas beaucoup d'occasion. Ah, il s'est ballon. Pas posé de questions là, l'attaquant auxerrois. Comme elle venait, il a frappé et le gardien a été archi battu. Heureusement pour lui, malheureusement pour Stéphane Guivarch et l'équipe de France. C'est le poteau, la base du poteau qui a repoussé ce ballon. Attention à la nouvelle attaque. Oui, cette fois-ci, un ballon trop mou de Youri Djorkaeff. De toute façon, la porte serait fermée. Moetti qui remonte ce ballon. Moshu. Mkalele. Du but de Letizy. 13e minute de jeu et toujours 0-0. Avec une occasion pour les Français, signé Stéphane Guivarch.
ballon qui aurait très bien pu donner un petit avantage aux Français. Frappe du coup de pied, bien tendu. Attention, attention Thierry Henry. Oula. C'était le dernier défenseur. Thierry Henry reste au sol. Et M. Philippi ne dit rien. Les Français qui demandent qu'on mette le ballon en touche, voilà qui est fait pour pouvoir soigner Thierry Henry. Mais je pense, Thierry, que je suis un petit peu de l'avis de M. Philippi. Il semble bien. Ah, ben non. Ben non, ben non, non. Je croyais qu'il avait touché. Le ballon d'abord. Le ballon, il n'a pas touché le ballon. Il a attrapé Thierry Henry. Monsieur Philippi. Incontestablement, il y avait une faute là. Qui a été gentil avec Neil Touvy. Neil Touvy qui ressemble comme deux gouttes d'eau, puisqu'il en tombe beaucoup, à Stuart Pearce. Vous avez remarqué, Thierry? Ah oui, 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 c'est vrai. Pierce, l'immobile défenseur. Un poète parmi les poètes. C'est vrai. Tiens, à ce propos, vous savez que donc l'Angleterre joue un match capital ce soir à Rome contre l'Italie. Sylvaine Mignona, notre charmante assistante, est à l'écoute de ce match. Et nous vous donnerons le résultat à la fin de ce reportage. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent regarder ce match cette nuit chez nos amis de Canal+, eh bien nous vous préviendrons. De façon à ce que vous puissiez baisser le son et ne pas connaître le score de cette partie, surtout si vous avez bien sûr à la suivre dans le courant de la nuit. Matong, ou avec Emmanuel Petit, qui lui est sanctionné. Faute de Manu Petit, qu'est-ce qu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut énormément. C'est presque deux mois et demi sans qu'il tombe une goutte. Oui, c'est vrai. Tout le monde réclamait la pluie, maintenant elle est là, et faut faire avec. Motong va se... Attention, ils sont bons de la tête. Ils ont marqué beaucoup de buts pendant la Coupe d'Afrique des Nations de la tête. Un long ballon qui ne va pas dépasser Lionel Letizy, qui n'était même pas menacé par un Sud-Africain. Regardez, voilà, les images de François Lano. Letizy qui sort de ses 16m50 pour dégager ce ballon. La tête de Guivarch, celle de Djorkaeff, Deschamps qui met le ballon au sol, De Sailly, Thierry Henry. Ouf, là, là. Non, là ça commence à faire beaucoup. Oui, carton pour Matong. Oui, parce et que... à nouveau Thierry Henry au sol là. Parce que là il était... Plus que passé Thierry Henry, Motong, comme dirait quelqu'un que je connais bien, n'a pas fait le voyage pour rien. Non. Alors que véritablement, il avait été complètement déséquilibré par la feinte, Motong. C'est une grande journée de football en Europe aujourd'hui, mais aussi cette nuit en Amérique du Sud, en Asie, pour les qualifications. Pour la Coupe du Monde, et je vous signale que demain dans Téléfoot, en plus de la venue bien sûr d'Aimé Jacquet et de Jean-Claude Darmon dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien il y aura un long chapitre consacré à ces éliminatoires avec un beau résumé de la rencontre de Rome entre l'Italie et l'Angleterre, qui est évidemment la plus importante de la soirée, puisque le vainqueur sera qualifié directement et l'autre devra aller en repêchage. De Sailly qui a donné à Letizy. En retrait vers RNC par Touvy. Superbe tête encore de Lilian Thuram. Lilian Thuram qui est désigné par tous nos confrères italiens comme le meilleur défenseur du championnat transalpin. Et élu l'an passé meilleur joueur étranger dans le Calcio. Et quand on est défenseur, ça veut tout dire. Voilà Thuram. Changement de côté. Thierry Henry, attendez là. Ça s'est pas passé, plus passé bien. Il s'est transformé en défenseur et Djorkaeff qui avait réclamé ce ballon. Belle touche. Djorkaeff.
algérien. Ballon récupéré par Desailly. Blanc. Petit. À droite, il y a un bon coup à jouer. Oui, le voilà vers Pires. Il a remis dans l'axe. Le ballon va être récupéré par les Bleus. Récupéré par Petit avec la complicité de Deschamps. Ah, qui frappe en pivot de Thierry Henry. Mais à côté du but de RNC. Thierry Henry qui joue avec un protège-dents. Et l'entraîneur Clive Barker, l'entraîneur des Sud-Africain. Thuram. Récupération sud-africaine. Oh là, oui, encore un jaillissement. Encore jailli de Thuram sur le côté, bien joué. Bon, ça peut être bon. Bon, ça peut être bon. Il a un petit peu tardé. Robert Pires. Très très vif ces défenseurs sud-africains. Difficile à mettre hors de position en tout cas. Vite est revenu là. Jackson, William Jackson. Thuram va faire la remise en jeu. Nouvelle touche. Thuram. La solution. Avec Pires. Oula. Blanc. Ballon. Touche par Mocheux. Commence à subir les Sud-Africains. Thuram. Petit. C'est très groupé, Bartlett. Les deux pieds en avant, les des deux côtés du reste. Il y aura beaucoup de tacles aujourd'hui, hein, tiré avec ce terrain. On ne peut pas l'éviter. Blanc avec Lionel Letizy. À nouveau Laurent Blanc. Juste ce qu'il fallait. Guivarch. Ah, il a cherché à. Non, c'est pas perdu. Ah, c'est pas fini. Il rentre dans les 16 mètres. Stéphane Guivarch peut centrer. Et c'était trop sur le côté pour Thierry Henry. Sauvé par Boateng. Sauvé par Boateng. Mais c'est vrai que de plus en plus, les Sud-Africains peinent. Et Stéphane Guivarch, on le voit pas beaucoup dans la préparation du jeu. Mais dès qu'il entre dans la surface des réparations, là, c'est vraiment. Son domaine, Laurent Blanc est monté, Marcel Desailly également. Thierry Henry à la récupération. Massinga qui écarte ce ballon de la tête. Mocheung de la tête également. Petit sur le côté. Didier Deschamps. Petit. KF. KF. KF toujours. Un peu court. Il a cherché la tête de Laurent Blanc. À qui ce ballon ? À Candela. Ah, ça y sera bon. Et c'était une déviation instantanée. Et de la glider dans la balle de Pires pour Djorkaeff. Mais RNC va pouvoir dégager l'équipe d'Afrique du Sud. Alors que l'on joue la moitié de cette première période, 22 minutes de jeu, et toujours 0-0. Motong. Et que dans l'encadrement de l'équipe de France, mais on n'a pas vu Jean Verbeek, et l'occasion de le saluer, le président de la Ligue de Paris-Île-de-France, puisqu'il est en train de se remettre d'une opération à cœur ouvert. Et nous lui souhaitons bien sûr de revenir très vite auprès des Bleus. Oh, il est solide le président Verbeek. Il sera bientôt là. Centre et bonne prise de balle. Centre de Matong et bonne prise de balle de Lionel Letizy. Attention pour... ouais, il a mis quand même pas mal de temps Lionel Letizy. Djorkaeff. Thuram. Guivarch qui est revenu. Donner ce ballon à Petit. On le sent très très dangereux. Stéphane Guivarch, Thierry Henry. Oh, l'accélération de Thierry Henry, l'accélération. Oui. Mais le contre de Radebe. Deschamps, Petit.
change de côté pour Giray, ça va être dur. Malgré l'effet, ça prend pas l'herbe et ça part tout droit. La question Minitel du jour, quel pays africain qualifié comme l'Afrique du Sud pour le prochain mondial a été champion olympique en 1996 à Atlanta? Répondez sur 3615 code TF1, 08 36 68 90 04 si vous savez qui a été champion olympique de football à Atlanta. Deux téléspectateurs gagneront un chèque de 10 000 francs. C'est une question cadeau si vous avez suivi bien sûr les Jeux d'Atlanta. Djorkaeff, Deschamps sur le côté pour Candela. Il a changé le petit pont, oui, mais c'est pas passé. Et l'arche n'était pas suffisamment importante. Là, avec Thierry Henry, Candela qui remet. Djorkaeff, Candela. Et bonne sortie en deux pas. Temps de RNC. Il ne pouvait pas frapper là décemment. Candela. Bonne remise et ce ballon va très vite dans les bras de André Arendtse. Spivey sur le côté pour Jackson. Attention Massinga, mais Desailly était vigilant, bien concentré. Il s'est jeté sur ce ballon avant que Massimilia ne puisse s'en saisir. Laurent Blanc, Candela, Saï, Ivarche. Oui, le contrôle de la poitrine et bon retour de Mars. Celle de Saï et de Candela. Et de Candela qui met ce ballon en touche. Moshu qui a été devancé par Candela. Letizy avec de Saï. Sinon, ne pas prendre trop de risques et de ne pas mettre ses ballons dans l'axe. Ça va, il y a du bleu. Deschamps. Récupération. De Jackson. Hors-jeu, il est resté en position de hors-jeu par Bartlett qui évolue aux USA dans la Major League. Thierry Henry. Ah, l'accélération. Coup de rein. C'est son gros truc face à Spivey. Centre deuxième poteau. Le ballon qui va sortir en sortie de but, accompagné du regard par Kahalele. Voilà le coup de rein de Thierry Henry. Et Motang déjà, au début de match, il arrive à s'accrocher. Après une demi-heure de jeu, il laisse filer Thierry Henry. N'empêche que ça fait toujours 0-0 entre la France et l'Afrique du Sud et que l'on joue la 27e minute de la partie. Une véritable frappe, attention, un seul à la chute du ballon, un seul bleu. Oui. Ah oui, bien joué. Oui. Pour apporter la suite, il y avait une position de hors-jeu de Youri Djorkaeff. Jackson devant, tête de Laurent Blanc vers Thuram. De Saï. Vincent Candela qui écarte. Ah, ils sont bien en place là devant la. Ils savent que s'ils empêchent les défenseurs de bien relancer. Encore une fois. Petite faute de Matang. Djorkaeff qui a voulu laisser filer. Non, qui n'a pas laissé filer, Thierry, c'est le rebond hein, sur il l'herbe. Il a été trempé. Petit. Pires. Deschamps. Massinga qui va arriver sur ce ballon. Pris par Deschamps. Il se jette, hein. Ils sont très très vite. Ah, ils sur sont le très bons défensivement. Matang. Même s'ils font quelques fautes. Et Robert Pires est obligé de revenir milieu de terrain. Un aperçu de ce que sera la Coupe du Monde. Et Candela qui a mis ce ballon en touche car il y a encore un bleu qui est resté au sol. Là c'est Emmanuel Petit
Et Thierry, puisque vous parliez des résultats, on va en donner quelques-uns parce qu'on jouait dès cet après-midi. Tiens, dans le groupe en Asie, zone Asie, dans le groupe du Japon et de la Corée du Sud, le Japon et la Corée du Sud étaient en déplacement à Tashkent. L'Ouzbékistan et le Japon ont fait match nul, un but partout. Et le Kazakhstan et la Corée du Sud ont fait match nul, un but partout. Le Mondial 98 se rapproche pour la Corée du Sud. Oui, mais il a l'air de s'éloigner pour le Japon qui perd beaucoup de points. Voilà. En Europe, dans le groupe 2, pas de conséquences. Géorgie 3, Pologne 0. Dans le groupe 3, aucune conséquence. Finlande 1, Hongrie 1. Par contre, dans le groupe 4, un qualifié, même deux qualifiés, puisque l'Autriche a battu le Bélarus 4 à 0. Qualification de l'Autriche. Et l'Écosse a battu la Lettonie 2 à 0. L'Écosse est également qualifiée puisqu'elle est de toute façon classée meilleure équipe deuxième. D'autres résultats, Suède 1, Estonie 0, Russie 4, Bulgarie 2. La Bulgarie, vous le savez, d'ores et déjà qualifiée. R Roumanie, un but partout. Et un autre qualifié, match très important, Thierry. L'Allemagne, ça l'est vu, elle a gagné que 4 buts à 3 contre l'Albanie, qualification de l'Allemagne. Donc qualification très difficile. Mocheux sur le côté gauche. Thierry ? Oui. Oui. Bogossian, Alain Bogossian va très simplement remplacer Manuel Petit. C'était mal, ballon détourné, ce sera le premier corner pour l'Afrique du Sud, le deuxième de la partie. Corner qui va être frappé par Elman Makalele. Et Bogossian, l'Italien, va remplacer donc, attention, rentrant, et c'était une tête signée, me semble-t-il, des Bartlett. Entrée du milieu de terrain de la Sampdoria de Gênes. Très bon en Italie, lui aussi en ce moment. Auteur de 3 buts depuis le début de la saison. Et en championnat d'Italie, Alain Bogossian, sorti du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Manuel Petit qui a quitté le terrain en boitillant, c'est dommage parce qu'il avait été très bon. Attention à Guivarch là, avec Pires. C'est très profond. Assez profond parce que ça pousse sur l'herbe en plus. Bien doser ses passes, et c'est ce que les Français n'ont pas réussi à faire, du moins à cette première période, puisqu'on est entré dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, et que le score est toujours nul de 0 à 0, et que l'on soigne Emmanuel Petit sur le bord de la touche. Donc qui va. Non, il laisse ce coup franc à son partenaire Tinkler. Bien frappé. Bonne sortie de Lionel Letizy, bousculé dans l'air. Défendu. Et coup franc. Sifflé contre Bartlett. Et joué par Letizy avec Candela. Thierry Henry. D'assister à un match de Coupe de France entre une équipe qui domine l'autre, mais tant qu'on n'a pas marqué, oui. Il y a peut-être Pires. Aïe, le centre n'est pas arrivé. Juste intercepté alors que Guivarch s'était jeté au premier poteau. À qui la touche, sur le bleu. Thuram avec Deschamps. Oula, il a pris des risques là. Allez, Radebe avec Mocheux, Spivey. Allez-les. Attends, ouf.
qui au dernier moment lui a enlevé le ballon et à Djorkaeff. Toujours bleu ce ballon, Candela. Ah non. Un peu dans le dos. Un peu dans le dos, mais Deschamps va le récupérer. Thuram. Sur l'autre côté, Pires s'appliquer sur le centre. Djorkaeff, trop en retrait. Et les Sud-Africains, une fois de plus, se dégagent. Massinga. Il a bien coulissé Vincent Candela. Kaef, il n'a pas réussi son passement de jambe pour Deschamps. Attention, Massinga. Il va se placer devant le but. Pour la tête, Massinga, heureusement. Et nouveau corner. Ce sera le deuxième. Et c'est souvent grâce à des inspirations de Phil Massinga que les Sud-Africains se créent les situations les plus difficiles et les plus délicates pour la défense française. Et là, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour tirer les corners. C'est finalement Kalele qui va le tirer. Deux corners pour l'Afrique du Sud, un seul pour l'équipe de France, c'est toujours 0-0. En retrait, Machio. Blanc qui écarte ce ballon, Deschamps ensuite. Guy Varche. Il attend du soutien, Guy Varche, il lave encore avec Deschamps. Deschamps. Ah, c'était de l'autre côté, le jeu. Le jeu était de l'autre côté. Spivey. Matong, Spivey, Thierry Henry, Deschamps contré, Singa, la touche pour l'Afrique du Sud. Qui semble s'être fait mal sur cette action. Ouais. Pas tout seul, Vincent Candela l'a un petit peu aidé. D'ailleurs, il l'obtiendra. Matong. Rocheux. Jackson devant. Elle est sortie cette balle. Moëti va pouvoir faire la remise en jeu pour l'Afrique du Sud. Massinga a demandé le ballon, c'est impossible à lui donner. Il a poussé un peu loin son ballon, Candela, pour amorcer la relance. Il n'est pas sorti. Bogossian. Là. Thierry Henry. Toujours serré de très très près Thierry Henry par Motong et qui ne quitte pas la ligne de touche. Thuram essaie de varier un petit peu du côté français. Pires. Voilà, il est passé. La fusée est lancée. Thuram. Thuram toujours. Là, c'est trop fort encore. Ouais. Trop fort encore parce que c'est cette pelouse humide et il a du mal à doser ses passes. Ballon qui a du mal à venir dans l'axe de l'équipe là. Sur les côtés, ça, que ce soit côté droit avec Thuram et Pires ou côté gauche avec Candela et Thierry Henry, ça marche bien. Mais dans l'axe, le ballon n'arrive pas très souvent, même très rarement, à Stéphane Guy Varche, voire à Youri Djorkaeff. Jackson qui s'est fait contrer par Bogossian. Djorkaeff. Aïe, 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 aïe. Ballon perdu. Attention, va glisser. Et récupération française. Blanc. Thuram. Blanc. Attention, les contrôles. Les contrôles sur ces terrains-là. Tout part de là. Mauvais contrôle. Et l'adversaire n'a aucun mal à se saisir du ballon. Donc, Monsieur Matong, bien revenu défendre, Thierry Henry. Qui
Et en défendant ainsi, on obtient la touche. Monsieur Philippi, l'arbitre luxembourgeois de cette rencontre. Gaëf avec Candela, au contre favorable. Guy Barche n'a pas pu se saisir du ballon. Rocheux. Deschamps. Allez, Pires a beaucoup à jouer. Il va revenir. Touvi avec Jackson. Récupéré par Bogossian. Deschamps. Il peut téléphoner. Et ballon récupéré par Bartlett. Mocheux, bien coupé par Desailly. Elle est sortie. Reste 6 minutes avant la fin de cette première période et toujours 0-0. Et une mauvaise nouvelle, Thierry, pour nos amis portugais. Le Portugal a gagné en Irlande du Nord 1-0, mais ne sera pas barragiste puisque dans le même temps, l'Ukraine est allée l'emporter 2-0 en Albanie. C'est l'Ukraine qui est deuxième de ce groupe 9. L'Ukraine a battu l'Arménie 2-0. C'est le groupe de l'Allemagne, ça. Hein? Exactement. Allemagne première, Ukraine deuxième. Perdu trop de points en début de compétition, les Portugais. Oh non, jamais de la vie. Il n'y a pas hors-jeu. Et il va y avoir jamais but. De la vie. Et il va y avoir but. Et but pour l'Afrique du Sud, marqué par Shaun Bartlett, juste avant la mi-temps, à la 40e minute. Oh non, jamais de la vie. Les Français se sont arrêtés. À moins que nous ayons des problèmes de vue, eh bien Bartlett n'était absolument pas en position de hors-jeu. Et je crois bien que c'est Lilian Thuram qui le couvrait complètement. Et coup de froid sur Bollaert avec ce premier but de la partie, marqué par l'équipe de l'Afrique du Sud qui se battait bec et ongle et qui a exploité comme il le fallait, ouais, l'une des rares occasions qu'elle a eu en première période. Une erreur, et en tout cas, il n'y avait absolument pas hors-jeu, puisque vous le savez maintenant, l'attaquant qui au départ du ballon se trouve sur la même ligne que le défenseur, bien sûr, à condition que le gardien de but soit dans son but, eh bien il n'est pas considéré comme hors-jeu. Candela. Il y a une petite troupe sud-africaine qui nous met l'ambiance là. À gauche de notre Guy Barche. À gauche de notre troupe. Rocheux. Récupération Pires avec Thuram. Deschamps. Desailly. Henri. Candela. Bogossian, Deschamps, Djorkaeff, dans lui, donne derrière, mais ils n'auront plus le ballon, les Français, malgré ce tacle de Deschamps. Récupération loin du but sud-africain de Laurent Blanc, il faut remonter la moitié du terrain. Djorkaeff, ah non, Arendse le premier. Ça va être dur, ça va pas être commode hein, de revenir dans ce match. Pour l'instant, ça s'annonce même très difficile parce que sur le plan défensif, véritablement, ils sont très très présents, ces Africains du Sud. Et bien qu'étant présents, Thierry, comptez le nombre de coups francs qu'il y a eu à 20-25 mètres du but d'RLC, strictement aucun. Donc ça veut dire qu'ils défendent bien. Carrelé sur la tête de Blanc. Jean-Caët. Et en
encore une au moment du tacle, il a été pris de vitesse, c'est la Turcaev. Bogossian derrière Thierry Henry. Voilà. Il s'est imposé Thierry Henry physiquement. On va provoquer, mais ils sont quatre autour de lui. Touvi. Pinker. Singa. Motong, Massinga qui a le contre et Candela qui met en touche. Mais ils ne s'affolent pas les Africains du Sud, c'est vrai que c'est un petit peu contre le cours du jeu. Et toujours est-il que pour l'instant... Motong. Ils tiennent le bon bout, les Bafana Bafana. Sinclair renversé complètement de l'autre côté vers Mkaelele. Pris par Thuram. Toujours, la touche. Allez, il faut venir l'aider en profondeur. Tout le monde est sur la même ligne. Obligé de faire. Laurent Blanc, attention. Thuram. Deschamps. Voilà. Oh, la transversale. Ah, ça gronde du côté de Bollaert. Et Matong va faire la remise en jeu. La mi-temps ne sera pas de trop pour remettre un petit peu d'aplomb l'équipe de France. RMC. Qui ne prend pas de risque. RMC Thierry qui joue dans un club dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. On va laisser ce centre. Oui, mauvais dégagement, mais ballon qui n'est pas récupéré par les Français. Sinclair. Puisqu'il s'est. Il s'agit du club de Fulham. On en a parlé doublement. D'abord parce que c'est le père de Dodi Al-Fayed qui est le principal actionnaire de ce club, Thierry. Et parce que Kevin Keegan, je crois, a signé en tant que manager de Fulham. Il est sorti de sa retraite pour revenir aider Fulham. Candela, pied gauche. Oh là là, c'est à côté. Les Français sont le centre de... Vincent Candela est à l'image un petit peu de cette fin de première mi-temps de l'équipe de France à côté du sujet. Oui, on joue les arrêts de jeu, il n'y en a pas eu beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il va falloir bien resserrer les boulons si on veut que l'équipe de France revienne dans ce match, parce que en deuxième période, les Bafana Bafana, comme vous dites, ils vont être gonflés à bloc. Et ça va pas être facile. Moche transversal. Il récupère beaucoup de ballons. Il va frapper Massinga. Contrée, ballon toujours pour Mkaelele. Récupération de Laurent Blanc. Mais il est passé devant Bartlett. Mkaelele. Ouh, quelle hésitation! Quelle hésitation! Ouh là 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 là! Quelle hésitation sur le plan défensif de Saïd qui avait été lobé et derrière il pensait qu'il y avait ou Letizy ou Candela et ça s'est transformé en sans doute un dernier corner bien frappé. Dégagé par Thuram, Matong, Touvi, Mkaelele, bien passé. Bartlett, récupération Pires. Jorquez. Pas beaucoup de solutions, même aucune solution pour Youri Jorquez. Qui s'est fait immédiatement subtiliser le ballon juste avant cette mi-temps. C'est la mi-temps sifflée sur le score de 1-0, mais en faveur de l'Afrique du Sud. Ce que le public de Lens n'apprécie que tout à fait modérément. Ah oui. Nous allons donc retourner à Paris pour une page de pub et on revient à Lens pour la deuxième mi-temps où il y a beaucoup de boulot à accomplir. Ici Lens, à vous Paris. Seconde par seconde, au cœur des matchs avec SFR. Avec
le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Manpower, réseau officiel de travail temporaire. Eurocard Mastercard joue la carte Coupe du Monde. Barbe difficile, peau irritée. Menen invente la mousse Protex System. Trois fois plus dense qu'une mousse classique, elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Pour un rasage plus précis et un confort maximum. Nouveau mousse Protex System. Menen, pour nous les hommes. Alors c'est ça, la 106 Color Line. Condamnation centralisée des pauvres. Les vitres électriques avant. Direction assistée. Autoradio. Il y a juste un truc. J'aime pas le vert. Ni le rouge d'ailleurs. Heureusement, la 106 Color Line existe aussi en blanc, en bleu ou en noir. Très accessible, 97 du Crédit Immobilier de France. Devenir propriétaire avec nous, vous pouvez. Oui, on va avoir chacun notre chambre. La nature réserve parfois des surprises. Pour les éviter, Michelin vient d'inventer un nouveau pneu asymétrique, encore plus adhérent sur sol glissant. Nouveau Michelin Énergie, la route est bonne même quand elle est mauvaise. Énergie présente le dernier album de Jamiroquai avec Virtual Insanity, Cosmic Girl, et All Right. Tous ces tubes sont sur Traveling Without Moving, le dernier album de Jamiroquai. Chez Midas, c'est moins 20% sur l'échappement, c'est bien. En plus, ils ont des stocks, ils me disent pas... On n'a pas la pièce, revenez dans 8 jours. Non, j'y vais, c'est fait, c'est sans souci, c'est Midas. Entrez dans le monde fabuleux de TPS et découvrez toutes les chaînes nationales en qualité numérique et son stéréo. Histoire, la chaîne pour retrouver ceux qui font ou qui ont fait l'histoire. Et Odyssée, la chaîne des grandes découvertes. Le cinéma en 16/9 et son Dolby, Cinéstar 1 et 2, des films inédits à la séance et les grands classiques sur Cinétoile. Eurosport et à la carte. Roland Garros, la Ligue des Champions et les Coupes de France de football et de rugby. LCI, la chaîne Info en continu, et Télétoon, le programme enfant 100% dessin animé. La musique sur Fun TV, VH1 et France Supervision. Avec TPS, vous regardez ce que vous aimez quand vous le voulez. TPS, la plus belle invention depuis la télévision. Avec TPS, la parabole est gratuite. Total et la Société Générale se sont associés pour créer la carte club Kyriel, une carte de paiement, de téléphone, d'assistance d'épanage de votre véhicule 24h/24. Des services, des voyages, des économies, des cadeaux, et voilà. Une carte qui pourrait présenter tous ses avantages en 20 secondes ne mériterait pas plus de 20 secondes d'intérêt. Pour plus d'informations, rendez-vous dans une station Total ou une agence Société Générale. Ça, c'est mes cheveux, jamais un pépin. Eux aussi, ils ont trinqué. Le casque, le vent, la neige. Oui, mais je les ai super bien entraînés. Tonique Petrolane, sa formule au complexe nutriactif et aux extraits végétaux nourrit en massage le cuir chevelu. Le cheveu y puise une force nouvelle. Enfin, la compète terminée. Et pour mes cheveux, je continue l'entraînement. Tonique Petrolane, une force à toute épreuve. Force. Résistance. Le meilleur de la F1 avec les shampoings Elsev de L'Oréal. À
Suzuka, temple sacré de la Formule 1. L'air se charge du flot d'énergie des guerriers. Dimanche à l'aube, Michael Schumacher défie Jacques Villeneuve. Leur cœur, habité par la rage de vaincre, pourront-ils produire l'effort suprême qui mène au triomphe? Et leurs cyberbolides seront-ils la clé de cette course infernale? Le suprême combat, dimanche, 5h35, en direct sur TF1. Opel Astra Tiffany Turbo Diesel. Airbag Opel. Direction assistée. Verrouillage centralisé. Vitre avant et rétroviseur électrique. Jantes en alliage. Autoradio cassette RDS 6 haut-parleurs. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'a encore mis comme trace de pain aujourd'hui? En ce moment, les Astra Turbo Diesel catalysés sont au prix de l'essence. Le shampoing 2-en-1 Ultra Doux au Kiwi, vous connaissez? Bien sûr. Vous savez, il est tellement doux que je l'utilise tous les jours. Le shampoing Ultra Doux 2-en-1 puisait son extrême douceur au cœur des plantes. Plus de douceur au lavage, plus de douceur au toucher. Mes cheveux sont plus doux, plus brillants. Vraiment facile à coiffer. Et à décoiffer. Shampoing 2-en-1 Ultra Doux au Kiwi, garanti par les laboratoires Garnier. Avec le nouveau forfait intégral Bouygues Télécom, 175 francs, 2 heures d'appel partout en France. Le téléphone est compris. Désormais, plus rien ne vous retient. Bouygues Télécom, téléphoner devient un sixième sens. Nostalgie présente Claude François. L'histoire de sa vie, ses plus belles chansons chez notre marchand de journaux. Claude François, le numéro 1, 16 tubes et un fascicule au prix incroyable de 69 francs. FX Performer de Wilkinson. Wow, I feel good. Le rasoir révolutionnaire totalement flexible. Il vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. FX Performer de Wilkinson. $82, c'est le prix de l'action France Télécom pour les particuliers. Réduction de 5 francs comprise. France Télécom, l'an 2000, c'est vous, c'est nous. Si vous n'avez pas réservé, il ne vous reste plus que 3 jours pour devenir actionnaire de France Télécom. Mon fils est un génie. Depuis tout petit, il m'a inventé des choses pour moi. Aujourd'hui, il est ingénieur chez Arthur Martin Electrolux. Et qu'est-ce qu'il m'a inventé chez Arthur Martin Electrolux? Le four Tentation. Le four idéal pour une maman. Maintenant, je vois ce que je veux lui faire. Et je lui fais. Il est fort, mon petit poulet. Mon fils, il dit qu'il a fait ça pour simplifier la vie des autres. Eh ben, il a qu'à aller manger chez les autres. Arthur Martin Electrolux, nous vous donnerons toujours plus. La trilogie Star Wars, l'édition spéciale en vidéo, avec de nouvelles scènes, un nouveau son et de nouveaux effets spéciaux. La trilogie Star Wars, l'édition spéciale, en vidéo le 15 octobre. Vous n'aimez pas vous arrêter pour changer de ville. Utilisez la pile Philips Powerlife avec sa nouvelle énergie au graphite. Nouvelle pile Philips Powerlife, plus de puissance pour plus de vie. Thank you.
jouer, il faut battre les cartes. Ensuite, si on veut passer la main, on est obligé d'abattre. Bien sûr, on peut garder la main, mais il faut rentrer dans le jeu. Et dans tous les cas, c'est une question de coup de main. On va faire un tour. Hollywood Night, le plaisir du jeu, tout de suite après le foot. Seconde par seconde, au cœur des matchs, avec SFR. Avec le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Manpower, réseau officiel de travail temporaire. Eurocard Mastercard joue la carte Coupe du Monde. Retour au stade Bollaert de Lens où, à la surprise générale, l'Afrique du Sud mène 1-0 devant l'équipe de France. Et Christian Jean-Pierre se trouve en présence du président du CFO, Michel Platini. Absolument Thierry, Michel nous a accordé quelques minutes. Michel, cette équipe sud-africaine est très surprenante. Oui, pour certains, pas pour d'autres. Ils sont champions d'Afrique. Il y a une formidable montée en puissance du football de nombreux continents. Et donc aujourd'hui, les Africains, comme les Asiatiques, comme l'Amérique du Nord, comme éventuellement l'Amérique du Sud, ben, je crois qu'on a un nivellement qui est très important au niveau des nations, ce qui promet une belle Coupe du Monde. Alors ce soir, l'Écosse, l'Autriche et l'Allemagne se sont qualifiés. En revanche, le Portugal ne viendra pas en France. C'est une grosse déception. Pour nos amis portugais, bien sûr, mais ils sont tombés dans un groupe difficile avec l'Allemagne et l'Ukraine. Bon, ben, de toute façon, ce seront les meilleurs qui viendront. Alors on a vu ce soir au cours de la première période, Emmanuel Petit se blesser sur un tacle relativement dangereux. Et cette semaine, Sepp Blatter, le secrétaire général de la FIFA, a déclaré qu'il était prêt à interdire ce geste, le fameux tacle par derrière. Quelle est votre opinion? Vous savez, en 91, après la Coupe du Monde en 90, où il n'y avait pas eu beaucoup de buts, on avait fait la première réunion de la Task Force qui essayait de changer les mentalités ou les règles dans le football. Et j'avais dit que si vous voulez changer éventuellement le football, il faut enlever le tacle. Mais ça, c'est vrai que ça changerait tout le football. En revanche, j'ai aucun avis en ce qui concerne le mettre ou l'enlever. C'est pas simple, je crois que c'est dans la tradition du football de faire le tacle. C'est vrai que le tacle par derrière doit être prohibé, le tacle par derrière est dangereux, ça doit mériter forcément de temps en temps un carton rouge, mais je n'ai pas d'avis parce qu'il y aurait quand même beaucoup moins de joueurs qui jouent au football sans enlever le tacle. Un mot sur le jeu d'équipe de France au cours de cette première mi-temps? Bon, il y a beaucoup d'essais de la part d'Aimé Jacquet, donc beaucoup de jeunes qui arrivent, d'Henri à Pires, à Guivarch, à Bogossian, à Petit qui revient. Bon, c'est pas simple, chacun essaye de jouer pour la collectivité, mais il faudrait mieux qu'ils jouent pour eux de temps en temps un peu plus individualiste. Alors là, je m'adresse au président du CFO, au co-président du CFO, Michel. Nous sommes exactement à 242 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut encore réserver des places? Ça se rapproche. Oui, je crois qu'on peut toujours réserver des places, et encore pour une semaine. Après, ça sera vraiment trop tard. Une semaine pour notamment les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Alors c'est très simple, après ça sera trop tard. C'est au 36-15 France 98, soit dans les agences du Crédit Agricole. Et si je me souviens bien le numéro, c'est le 0-803-00-1998 au téléphone. Après ça sera trop tard, il n'y en aura plus pour les grands matchs. Merci Michel, on vous souhaite une bonne seconde période. Merci à Christian Jean-Pierre et à Michel Platini. Michel Platini, ce qu'il y a de bien, c'est que quand il a quelque chose à dire, il le dit. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et ce qui est clair, net et précis, Jean-Michel, c'est qu'il va falloir que l'équipe de France, comme on dit, se mette un doigt parce que pour l'instant, ça ne va pas fort. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut regretter que cette frappe de Stéphane Guivarch ne soit pas allée au fond des filets de RNC. Elle était bien frappée, le gardien de but était battu, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on va supprimer le tacle, on va agrandir les buts. Par contre, Bartlett, lui, n'a pas molli. Très belle feinte sur Letizy à la suite d'une bonne passe de Phil Massinga. Et après l'avoir revu maintes et maintes fois, Thierry, on peut dire que le buteur sud-africain, le Bafana Bafana, n'était pas hors jeu. On a vu Zinedine Zidane s'échauffer pour l'instant. 2, 4, 6 et 3, 9, il manque un joueur de champ du côté français. Robert Pires est le seul qui était là en première mi-temps qui ne soit pas revenu. Est-ce que le changement sera là? On
Ben on peut le supposer puisque ouais. Zinedine Zidane lui entre. Et c'est donc Robert Pires qui est resté au vestiaire. L'occasion Thierry de féliciter la Ligue de Nord, du Nord-Pas-de-Calais, ligue très dynamique, et son président Monsieur Duchaussois qui est venu de Berck, la Ligue du Nord-Pas-de-Calais qui a remarquablement organisé cette soirée, ce match. Et comme au début du match, comme au début de la rencontre, les Sud-Africains se sont regroupés pour se donner du courage. Autant dire que, comme vous le disiez de façon si imagée, Thierry, ça ne va pas être facile pour les 11 Français appelés à disputer pour l'instant cette seconde période. Et bien sûr, on n'a pas oublié du côté du COP Lensois que Pierre Lègle, qui est sur le banc de touche, a été longtemps l'une des pièces maîtresses du Racing. Voilà, et c'est parti donc pour 45 minutes et essayer de revenir dans cette partie avec Candela et Deschamps et Zidane, premier ballon. On compte sur lui pour aérer un petit peu le jeu et mettre hors de position cette équipe sud-africaine. Djorkaeff. Duarche. Et ballon qui file jusqu'à Arendse. Bogossian entré en première mi-temps à la place d'Emmanuel Petit, je vous le rappelle. Il y a donc eu deux changements côté français et aucun du côté sud-américain. Blanc et Deschamps qui se sont un petit peu gênés, mais le ballon sort pour Thierry Henry. Pas trop court et encore jusqu'à Arendse. Matong, Jackson, Maclélé, Deschamps qui lui a subtilisé le ballon. Candela. Avec la sortie de Robert Pires, Thierry, il n'y a pas beaucoup de joueurs bleus sur le flanc droit de l'attaque. Hein. On va sérieusement pencher à gauche. Deschamps. Il est rattrapé par Bartlett, le buteur. Henri qui récupère ce ballon. Les ententes avec Guivarch. Jackson qui a laissé filer jusqu'à Touvi. Kalele. Interception. Bogossian. Comme il se revient bien. La Moetti. Zidane. Djorkaeff accroché. Vers le contrôle du ballon. Personne côté droit. Personne pour l'instant. On va attendre une montée de Lilian Thuram. Et bien fait de Zinedine Zidane dans le dos malheureusement de Thierry Henry. Ouais. Il l'a sauvé ou non, non, elle est sortie. Non, elle est sortie cette balle. Il était arrivé dans le dos. Sur le côté. Je crois qu'il y a un Bafana qui est rentré, Jean-Michel. Oui. Avec le numéro 13. Alors si c'est le numéro 13, c'est McCarthy. C'est ouais. Bénédicte McCarthy. C'est le joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Et Lachaud. Matong. Lui, il était là, Matong. Il semblait voir fugitivement un numéro 13, je me suis dit. Pas une certitude. Hein. Non, parce qu'on s'en sera aperçu, Thierry, le quatrième arbitre a notifié avec son panneau le changement Zidane et Pires. Mais il n'a pas comme ça. Il n'a pas fait d'autre. Il n'a pas fait d'autre, donc. Jackson vers Mkalele. C'était peut-être le 18. Oui, peut-être. Voilà. Maybe. Thuram avec Zidane. Entrée.
Singa dans la course de Bartlett. Attention, attention. Il a tenté un lob. Il était vigilant, Letizy, et il relance vers Thuram. Bogossian. Thuram. Zidane. Là, il cherche de s'arrêter. Tout seul, isolé au milieu de trois Sud-Africains. Nekarté vers même Matong. Récupération Bogossian. Et tout ça, c'est à 40 mètres du but sud-africain. Et la relance est hasardeuse. Bogossian, Djorkaeff, Guivarch, Candela, Bogossian à nouveau, Deschamps, Desailly, Zidane, Deschamps, Zidane, oui, ça passe pas loin. Ça a même dû toucher un petit peu le poteau. Peut-être effleurer le poteau. Le tir croisé de Zinedine Zidane, il en était juste dans l'axe. Et on a vu malheureusement que ça ne prendrait pas le chemin des filets. Bonne ouverture de Didier Deschamps. Frappe croisée et oui, elle touche juste l'avant du poteau d'Arens. Massinga dans le jeu aérien. Massinga à nouveau. Machaud. Deschamps. Thierry Henry. Guivarch. Repris. Thierry ? Oui. Oui, je suis en compagnie du docteur Ferré. Quelle est la blessure dont souffre Emmanuel Petit ? Il a une entorse tibio-tarsienne avec une composante un petit peu au niveau de sa médio-tarsienne. Il était en appui au moment où il a été pris, vous l'avez vu comme moi. Et le pied a tourné en étant en appui, donc ce sont des entorses un peu plus compliquées qu'une simple entorse de cheville. Il va lui falloir combien de temps pour revenir ? Voilà, c'est une question difficile. On va faire des examens dès que possible. Là, il marche à peu près normalement, mais a priori, 8-10 jours, il risque d'être gêné pendant 8-10 jours. Un petit handicap, il ne va pas faire plaisir à Arsène Wenger. Il était très content du comportement d'Emmanuel Petit dans son équipe d'Arsenal, leader du championnat anglais. Donc il est passé très haut, récupéré par les Sud-Africains et par Tinkler. Et par Kalele, voilà, Zidane. Elle n'arrivera pas, elle n'arrivera pas, c'est pas fini. Oui, cette fois-ci. Et Guivarch qui a sa deuxième tentative égalise. Il a vraiment des gestes... À la 7e minute, c'est-à-dire à la 52e minute du match. Il a vraiment des gestes de buteur, ce garçon. Et pied droit, pied gauche. Dès qu'il voit là une ligne, il frappe, il a vraiment un geste d'une spontanéité remarquable. Et cette fois-ci, sur ce ballon qui va lui parvenir... Bien involontairement d'ailleurs, c'est pas il ne se pose question. Pas de questions. Frappe enveloppée, intérieur du pied, légèrement brossé. Et l'équipe de France qui revient en hauteur de l'Afrique du Sud. Mais il faut encore marquer un but pour prendre l'avantage. Et il reste pour cela pas mal de temps, plus d'une demi-heure. Et comme on n'est pas loin de la Belgique, Thierry, oui. Bien sûr, et que nos amis belges écoutent très souvent TF1, eh bien, la Belgique l'a emporté et comptera sur son ennemi héréditaire, les Pays-Bas, qui, s'ils battent la Turquie, eh bien, la Belgique, Thierry, sera barragiste. Sera deuxième de son groupe. Voilà. Mais il faut attendre le résultat de... Ils ont battu les Galles combien, les Belges ? Ils les ont battus. Ils les ont battus. 1-0, je crois. Bon, Candela. Deschamps, on appuie Deschamps, failli reprendre ce ballon sur Kaef, c'est pas fini. Henry, comme elle vient, hein. C'était bien parti. Zinedine Zidane empêché de jouer le ballon. Mocheux,
Massinga pris à contre-pied. Thuram qui peut relancer. Zidane avec Bogossian. Gauche, contré, Zidane. Elle est sortie. À qui la touche? Au bleu, dit monsieur le juge assistant, monsieur Mangen. Matong. ADB. Jackson, Massinga. Joué, Boucher. Sinclair qui laisse à Matong le soin de faire cette remise en jeu. Touche toujours pour l'Afrique du Sud. Confirmation Thierry. Matong. La Belgique a battu le Pays de Galles, non pas 1-0 mais 3-2. Il y a un but d'écart. Et les Pays-Bas sont qualifiés. Ils ont fait match nul contre la Turquie. 0-0. Entre qualifiés l'Espagne qui a battu les îles Féroé. 3-1. C'est la Yougoslavie qui est deuxième dans ce groupe. Candela, loin devant, la tête de Zidane, mais ballon, ils défendent, ils sont proches du point de rupture, les Sud-Africains, mais pour l'instant, ils tiennent toujours. Deschamps, Bogossian. Blanc. Au côté droit, il est venu Zinedine Zidane. Pour les Bleus. Thuram. Kef, toujours pour les Bleus. Non, elle changera demain, Thierry. Elle a dû être touchée par un bleu. Lélé. Ouais, bon ballon encore une fois. Athlète pour Mocheux. Et heureusement que Bogossian défend bien. Et qu'il a bien relancé instantanément pied gauche. Thierry Henry. Bien joué pour Deschamps. Centre trop profond. Ce sera pour le gardien RNC. Oui. Singa. Mikalele. Singa. Moïti. Très vite, un peu trop vite même cette fois-ci. C'est Bafana, Bafana. Dans cette année de Coupe du Monde, Jean-Michel, je voudrais vous parler d'une belle initiative à l'occasion de la Coupe du Monde. Le Train d'Union organise avec la participation de 60 lycées, 2000 étudiants, des classes commerciales, un exceptionnel Tour de France en train dans les 10 villes organisatrices et de 20 autres villes en faveur de 80 jeunes défavorisés de moins de 15 ans, représentant 10 pays du monde. C'est une très très belle initiative qui a reçu du reste l'aval de Michel Platini et je pense qu'il fallait la signaler car elle prouve beaucoup de richesse de cœur. Matong dégage encore son équipe, une nouvelle fois, Macho, Moati, Massinga. Il reste de plus en plus souvent aux avant-postes. Ils sont quatre autour de lui, la met en retrait. Oh, que c'est joué intelligemment. Bien joué, Bartlett qui va pouvoir centrer maintenant. Dégagement de Dosaï, ça va pas loin. Sinclair est sorti, heureusement, de Laurent Blanc.
pour Stéphane Guivarch qui va aller provoquer les défenseurs. Ah, il va frapper encore une fois. Ouais, mais cette fois-ci, c'est à côté du cadre. Dommage, c'était bien joué de la part du joueur de la JOCR. Il est bien se placé sur ce crochet extérieur. Et là, il a un petit peu ripé sa frappe de l'extérieur du pied. Mais il était en train de marquer des points, Guivarch. Bien, c'est Bogossian. Bien joué avec Zidane, Bogossian à nouveau. Djorkaeff. Oula non, il va s'enfermer, il va avoir beaucoup de mal. Ballon perdu, Mocheux. Récupéré par Deschamps. Thierry Henry. Petite hésitation, si elle n'est pas donnée au bon moment ensuite, c'est difficile Thierry. Allez, un tout petit tour du côté de la Coupe du Monde Thierry. Le Danemark est allé faire match nul en Grèce. Et le Danemark est qualifié et les Grecs sont éliminés Thierry, car la Croatie s'est imposée et c'est la Croatie qui est deuxième. 3-1 en Slovénie. Il y aura peut-être un changement donc... pour l'équipe de France, oui. Puisque si la Croatie était en barrage, eh bien, ce serait un autre adversaire. Peut-être le Danemark. Peut-être le Danemark, oui. Il sera affronté par les tricolores à Saint-Étienne le mois prochain. Oui, petite information, les tricolores qui vont s'entraîner dans le nouveau centre de formation des métiers de Saint-Étienne, cher à Jean Boulet et Jo Aubert, une superbe structure à quelques pas du stade Geoffroy Guichard. Et ce même centre de formation, Thierry, est visité par la délégation argentine bientôt. Peut-être que les Argentins séjourneront pendant la Coupe du Monde, là, dans ce centre de formation des métiers au sport. Des métiers du sport. Bogossian avec Deschamps, avec Blanc. Djorkaeff, s'il arrive à temps, oui. Ballon mis en touche par Jackson. C'est rapidement joué. Bogossian. Dans l'axe. Joram, Ossian, Zidane. Bonne couverture de balle. Ouh, le tacle encore une fois. Il a laissé échapper, heureusement. Matto, Macho. Bonne récupération de Bogossian qui se bat comme un beau diable. Mais Moretti aussi, hein, depuis un moment, il se bat. Kalele, directement sur Djorkaeff. Et les attaquants français, Thierry, sont les attaquants et les milieux de terrain sont très surpris par la vivacité des joueurs sud-africains. Thuram avec Blanc. Bogossian. Regardez comme ils sont vite, hein, encore une fois. Deschamps, Blanc. Deschamps dans l'axe. Kef, De Sailly, Guivarch, De Sailly, venu épauler ses attaquants. Djorkaeff. Ah, il a Candela. De la place, il a de la Candela. Place, la Candela. Ou pas là, lui maintenant c'est fini. Ah, oui. Ah, si on ne le fait pas spontanément, et là c'est reparti. Attention, c'est Bartlett, le buteur de la première mi-temps. Et Massinga est venu se placer devant le but de Letizy. Il a réussi le premier petit pont, mais pas le second. De Sailly avec Thierry Henry. Ah, on a l'impression que s'il pouvait vous placer 2-3 accélérations, Thierry Henry. Djorkaeff, pris par derrière. Carton jaune. Le carton. Pour Moretti. Moretti. Se bat beaucoup. Pas toujours de façon très adroite, et là incontestablement il a fait une faute qui mérite un carton. Non non, c'est trop vite joué. Trop vite joué. Il était en train de marquer sur son petit papier, monsieur Philippi. Le voilà, le premier changement que vous annonciez Thierry. Isaac Chai MKLE. MKLE va sortir. Placé donc par Chai,
dont on parlait comme titulaire au début de la rencontre. Henri. Il va aller provoquer Motong. Oh là, oh là là. Oh là là, quelle vitesse il est passé, mais il est revenu et ce sera une sortie de but. Encore une fois, il avait 3 mètres de retard. Il va beaucoup, beaucoup plus vite. Et Motong ne va pas lâcher. Il a raison, Motong, au dernier moment, du bout de la chaussure, il touche le ballon. Machot, elle est là, elle est sortie. Motong. Claire. Bonne récupération de Candela. Djorkaeff dans la course de Zidane, mais c'est pas passé. Rocheux, Chai, premier ballon. Rocheux, Jackson. Merci. À l'extérieur du pied, c'est bien joué. Chai. Négociant. Deschamps, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Zidane, Thuram, Bogossian. Ah, mais il faudra aller menacer le but de RNC quand même de l'autre côté là-bas, parce que le temps passe, on est à 20 minutes de jeu déjà en deuxième période. 68 minutes et un partout entre la France et l'Afrique du Sud. C'est pas vraiment un bon résultat pour l'équipe de France. Bogossian. Trouver surtout un joueur dans l'axe, c'est pas facile. Il jaillissait bien les Bafana Bafana. Zidane sur le côté gauche. Un contre un avec l'aide de Candela. Ça s'amoche. Et il a poussé loin son ballon. Et ballon perdu. Massinga. Derrière lui. Chai, c'est le joueur frais, il est sollicité. Massinga se heurte à Laurent Blanc. Contre favorable à Bogossian, mais récupération de Bartlett. Souboeti, c'est un récupérateur hors pair. Le numéro 18 de l'Afrique du Sud. Chai. Thuram, il y avait du hors-jeu dans l'air, c'est joué. Zidane, allez de l'avant, de l'avant, de l'avant. Candela. Guivarch. Vous n'aurez pas sorti cette balle. Non, elle n'est pas sortie. Henri. Bogossian. Thuram. Heureusement, récupéré. Djorkaeff. En tout, on est rarement face au but. Même jamais face au but, ce qui facilite quand même la tâche du défenseur sud-africain. Motong, Massinga, Macho. Opération de Deschamps. Allez, avec Guivarch. Allez. Elle est touchée au départ. Elle est touchée, elle est déviée. Ce sera donc un corner. C'est le premier corner de la deuxième mi-temps. C'est seulement le deuxième en faveur de l'équipe de France. Alors que les Sud-Africains ont obtenu deux en première période. Oh, il est raté. Sud-Africain qui se dégage vers Bartlett. Qui est resté seul aux avant-postes. Il va couvrir son ballon, attendre quelqu'un derrière lui. Voilà, c'est trouvé avec Jackson. Jackson. Bartlett récupéré par Blanc. Thuram, Deschamps. Zidane, le coéquipier de la Juve. Thuram. Ah, il faut prendre de la vitesse, c'est là. Et puis il faut surtout aller se présenter dans les 16m50 parce que sinon, pas de but.
filet. Ouais, bien défendu. Encore une fois, tacle signé Jackson. Sinclair. Chaille. Devant pour Bartlett, mais ça va aller jusqu'à Lionel Letizy. On passe une deuxième mi-temps tout à fait tranquille. Et qui a relancé du côté de Candela. Négociant, Deschamps. Laurent Blanc. Zidane. Et ce côté droit là qui. Les milieux de terrain le cherchent, vous ne trouvez personne là sur ce côté droit. Thuram avec Deschamps. Et non. C'est récupéré par Touvi. Sinclair. Ouais, c'est une bonne balle là pour Boateng. En dehors de le plus. Allez, le contre. Oui. Elle va pas arriver. Il était Radébé était là. Radébé, et puis Guivarch était derrière son défenseur. Donc c'était difficile. Chaille. Thuram qui a devancé. Ce petit bon est-il là, Thierry. Grosse impression sur le plan du volume du jeu. Il touche beaucoup de ballons, il en récupère beaucoup. Il a couvert un terrain considérable tout au long de la rencontre. Et puis c'est lui qui a donné ce ballon à Jackson. Devant et sorti de Lionel Letizy. Attention, ne capte pas Lionel. Attention, Pierre Lègue de la France. Merci Christian Jean-Pierre. Tête de Thierry Henry. Et Touvi, très calmement. Tête à reculons. Vers Arense. Jackson. Chou, il prend un petit peu la place du docteur Kumalo dans cette équipe. L'athlète, s'il arrive à temps, la lutte avec Desailly. Desailly a pu mettre ce ballon en touche. Et Pierre Lègle va entrer. Pas sur cette action défensive après. Il reste 18 minutes à jouer. Zidane. Il va bénéficier d'un coup franc. Et Candela. Là, le changement va intervenir avec un changement aussi du côté des Sud-Africains. Clinton Larsen. L'Aigle va rentrer. Il reçoit une ovation de la part de son ancien public. Il fut longtemps l'un des chouchous de Bollaert. C'est Candela qui sort côté français pour laisser sa place à Pierre Lègle. Et c'est Moëti, non? Oui, Moëti, semble-t-il. Non. Parce non, il va prendre des renseignements auprès de son entraîneur. Il ne veut pas se priver de son petit moteur, là. Parker. Et c'est donc finalement Sinclair qui sort pour laisser sa place donc à Larsen. L'Aigle. Et la touche pour les Sud-Africains. Zidane, ah oui, dans le dos de Guivarch.
match, mais il va la récupérer. Henry. Pour venir devant le but. C'était pour Bogossian. Bogossian, Deschamps, Thuram. Il va centrer, Thuram. Ça, c'est un bon centre. Oui, mais ils se sont gênés à la chute du ballon, un petit peu Guivert chez Zidane. Du coup, Touri peut dégager. Massinga. Bartlett. Attention, le manque pour ADB. L'aigle. Bien joué. 2-3. Guivarch. Zidane. Le ballon pour Larsen. Larsen avec Chai, les deux nouveaux. Larsen. Ah, il a perdu ce ballon. Il a pu glisser en retrait à son partenaire Jackson qui a mis en touche. Dernier quart d'heure. Bogossian, Thuram. Pas beaucoup d'occasions de but hein, pour cette équipe de France. Non. C'est vrai qu'il y a des essais dans ce match, mais c'est quand même un petit peu décevant. L'aigle a frappé à ras de terre. C'était du bon côté, mais c'est à côté du cadre. L'entrée de Pierre L'aigle est saluée par Félix Bollard, comme il y a quelques années fut saluée celle d'un certain Fares Boussira. Il était entré avec l'équipe de France pour le match contre la Pologne, mais c'était le vieux, le très vieux. Sympathique stade Félix Bollard de l'époque. RNC. Bartlett battu dans le jeu aérien par Thuram. Chai. Des fautes, des rares fautes, il y a peu de coups francs malgré l'état du terrain. Aimé Jacquet qui s'est levé de son banc. Tu vas faire entrer Hibou. Chai. Oula. Talon. Deschamps. Jackson. Très bien joué de la part de Laurent Blanc. Très beau geste. Thuram. Le contre parvient jusqu'à Zidane. Djorkaeff. Pas trop vite Thierry, pas trop vite. Il était presque parti un peu trop vite Thierry Henry. Il y a l'aigle qui s'est déporté sur le côté, mais c'est dans le dos de Djorkaeff. Il y a trop de monde au milieu, là on passera pas. C'était embouteillage à l'entrée de la surface de réparation. Larsen, Massinga, c'est en touche. Il fait vraiment ce qu'il voulait là, sur cette action. Et c'est un nouveau changement. Et comme nous l'annonçait Christian Jean-Pierre, Ibouba va rentrer. Djorkaeff ou Thierry Henry pour équilibrer peut-être. Ah, c'est Djorkaeff. Djorkaeff qui sort et donc Bah qui rentre dans cette équipe de France alors ouais. Qu'il reste exactement 14 minutes à jouer. Ouais, c'est ainsi qu'on va revenir un petit peu au schéma du début de match avec deux hommes de couloir. Williams. Et Bartlett. Place Bartlett. Voilà, allez. Mise en jeu de Thuram. Vers bas, justement. Avec Deschamps. Non. Dégagement. Et premier ballon de Williams face à De Sailly. Obligé de revenir jouer avec Letizy. L'aigle. Deschamps. Bogossian. Blanc. Thuram.
un peu mieux équilibré là, Thierry. Oh là là, il passe, il se demande encore temps comment il a touché ce ballon. Faute, monsieur. Faute, monsieur. Williams, qui a bousculé de Saï, qui est parti sur le côté avec Massinga. Massinga qui a contourné Deschamps. Williams, toujours bien placé, Laurent Blanc. Beaucoup d'expérience. Deschamps. Zidane. Bah. Zidane. Faute de Larsen. Deschamps. Avec l'aigle. Varche. L'aigle. Zidane. Il est revenu dans l'axe là. Les faire bouger ses défenseurs. Change de ballon, on la croyait très belle pour Vivarch, cette balle de Vincent Cambella. Faute, Ibuba. Centre devant Chaï. Non, il n'a pas pu frapper ce ballon de la tête. Bogossian, c'est pas fini, Thuram. Ah, si, là, c'est fini. Frappe écrasé à côté. Frappe écrasé, mais les centres étaient bons, et notamment le premier, celui de Vincent Candela. On a cru un instant que Guy Varch aurait allé le frapper. Reste là. Ça manquait de très très peu. 10 minutes, un peu plus peut-être, car il y a eu des longs changements de joueurs. Il va en tenir compte, monsieur Filippi. Ils ont 12 minutes. Ça serait quand même bien de réussir à mettre un deuxième but. Ne serait-ce que pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire le résultat du match. Car de toute façon, ça ne restera pas une grande sortie tricolore. Bogossian, Deschamps. L'aigle, Deschamps. L'aigle à nouveau. De Saï, on écarte. Allez, il y a de la place. Thuram. Il y a de la place pour Lilian Thuram. Mais Larsen revient. Larsen revient, oui. Difficile ce que tentait de faire Lilian Thuram. Deschamps change de côté vers l'aigle. L'aigle et Thierry Henry de ce côté. Guy Varch. Henry. Peut-être. Alors, il va tenter avec Zinedine Zidane. Chaï, et gauche, contré par Thuram, Bogossian. Va. Oui. Et but. Et but. Et but de Ibuba. À la 38e minute. Sur une des rares erreurs défensives, Thierry. Ballon récupéré, me semble-t-il, par Didier Deschamps. François Lannot va remonter ça un petit peu en avant, 4-5 secondes avant le but. Et sur les démarrages, Ibuba, l'homme frais. Il a bien résisté. Oui, il y a eu le tacle. Et il passe devant Tobé. Et un petit peu comme le but. Ou la frappe de Zinedine Zidane tout à l'heure. Celle de Zidane est passée devant le but d'Arense. Celle-là est restée derrière le poteau. Ouais, est allée mourir dans le petit filet. Voilà, Ibuba qui signe son entrée dans une équipe qui, c'est sûr, quand elle joue avec deux hommes de couloir, est quand même un petit peu mieux équilibrée. Bogossian. Deschamps, Zidane, l'aigle avec Guy Varch, Thierry Henry, Zidane, De Saï. Oui, bien joué, Henry. Ballon qui file jusqu'à Arense, Jackson, Deschamps. L'aigle. Là,
bien appuyé sa passe, mais un peu trop appuyé sa passe. Et petite averse sur Bollard pour saluer Matong. Le deuxième but tricolore, celui signé Ibouba. Et oui, c'est aussi son deuxième but sous le maillot de l'équipe de France à l'ancien joueur des Girondins. Aujourd'hui Milanais. Larsen avec Jackson. Radebe. Faute de Bogossian sur Moshu. Jean-Michel ? Oui. J'ai une colle à vous poser. Allez-y, bon oui, c'est gentil, Christian. Connaissez-vous la signification exacte de Bafana Bafana ? Non, pas du tout. Cela veut dire jeune garçon en Zoulou. C'est ça, oui. Mon Dieu. Vous en savez des choses. Oui. Tiens, ben moi je vais aussi vous dire quelque chose, Christian Jean-Pierre, et le dire aussi à tous nos amis qui sont à l'écoute. Vous savez que TF1, eh bien, c'est une grande équipe en ce qui concerne le football, et je voudrais saluer un serviteur des journaux de TF1 depuis de très très longues années. C'est notre ami Jean-Claude Flouret, notre preneur de son, notre inamovible preneur de son, ingénieur du son, qui nous quitte parce qu'il va bientôt partir à la retraite. C'est son dernier match et on le salue et on l'embrasse très fort. Il nous manquera beaucoup, mais j'espère qu'il viendra nous voir. Et qui ne nous laissera pas orphelin de Flouret. Salut Jean-Claude et bonne et paisible retraite. Massinga dans le trou, ah, sorti William, de Letizy. Un ballon qui s'était un petit peu arrêté dans une flaque. Une des flaques de Bollard. Et même qu'avec le temps qu'il a fait, Thierry, c'est étonnant que la pelouse ait tenu aussi bien. Hein, parce que vraiment... C'est vrai que c'est pas une surprise, hein, finalement, que Christian Jean-Pierre il parle parfaitement le Zoulou. Ah oui, ça doit lui rappeler de bons souvenirs. Ça lui rappelle de bons souvenirs. Allez, 3 contre 2. Ibouba avec maintenant, Zidane. Maintenant Zidane toujours bas. Alors donne la gauche et frappe de Guivarch. Et voilà, mais elle est à côté. Elle a contourné le but, cette balle. Aïe, 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 il avait donné un bon ballon finalement, Ibouba. On a cru un instant qu'il n'avait pas fait le bon choix. Mais... Il est un petit peu déséquilibré et la fatigue. Jackson. La fatigue a amené ce ballon un peu trop loin de son pied d'appui. Moshu. Spivey. Massinga. Tuvi. Chai à nouveau. Moshu. Le public de Bollard qui évidemment est plus content avec un tableau d'affichage à 2-1 en faveur de l'équipe de France alors qu'il s'enfonce. Oh là là, il a été rattrapé. Ce sera un corner. Contré. Juste à la limite. Contré par Radebe, le capitaine. Ah, il va à 200 à l'heure, hein, oui. Ce Thierry. Hein. Vraiment. Hein. Très belle conduite de balle. Il alterne pied droit, pied gauche, extérieur, intérieur, changement. Il a peut-être l'occasion de revoir en longueur le but de Ibouba. C'est McCarthy cette fois-ci qui va rentrer. Avec ce ballon perdu par les Africains. Mauvais dégagement et ballon qui va parvenir à Didier Deschamps, puis à l'accélération d'Ibouba. C'était un mauvais dégagement de Chaï, me semble-t-il, Thierry. Corner tapé par bas. Tête de Thuram, mais c'est à côté de la cage de RNC. Alors qu'il reste 2 minutes. Et que la pluie redouble de violence sur Bollard. L'aigle. McCarthy. Il a réussi le petit pont sur Vincent Candela. Il va aller là-bas dans le coin. Il a réussi là aussi. Mais bien revenu. Elle n'est pas sortie. Williams.
Oh là là, ça a été chaud. Ouais. Et heureusement, que Saïd peut dégager ce ballon. Petit pont réussi la part des champs. L'aigle de Saïd. De Saïd toujours. Nouvel appel de balle de Thierry Henry. Alors vous allez vous boucher les oreilles Thierry car il reste 30 secondes ici. Ah, oui, vous enlevez votre casque et pour ceux qui veulent regarder Italie, Angleterre, vous baissez un petit peu le son. 3, 2, 1, 0. Voilà. Et bien à quelques minutes de la fin, alors qu'il y a eu de nombreux incidents, l'Italie joue à 10, mais pour l'instant, l'Angleterre et l'Italie sont toujours à égalité. 0-0 pour l'instant, c'est donc l'Angleterre qui est directement qualifiée. Thierry, vous pouvez remettre votre casque. Et vous pouvez remonter le son. Avec Zidane. Et Thuram. Oui, parce que comme ça, c'est mieux. Hein, ceux qui veulent regarder le match et ne connaissent pas le résultat, c'est quand même plus sympa. Thuram qui a centré. Massinga, ah, il a perdu le ballon, ils sont un petit peu fatigués, ils ont beaucoup couru. Zidane. Thierry Henry. Le temps qui se retourne. Arendse peut dégager ce ballon. Alors que l'on joue les arrêts de jeu dans ce match. De Saïd. Les Africains du Sud, Thierry, ils auront quand même trouvé. Il faudra compter sur eux. Et c'est vrai qu'avec Fisch et. Oula. Avec Fisch et le docteur Kumalo, c'est une toute autre équipe. Hein. Oui, c'est sûr. Et comme a dit très justement Michel à la mi-temps, l'émergence de nouveaux football, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, nous promet une Coupe du Monde passionnante où il y aura peut-être des belles surprises. Bah, on va frapper ce coup franc des derniers du match. L'équipe de France, il le joue avec Deschamps. Je préfère laisser le soin d'orienter le jeu à Laurent Blanc vers l'aigle et Thierry Henry là-bas côté gauche de Saïd. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. Et c'est fini. C'est fini donc, score final. 2-1 en faveur de l'équipe de France. Ça a été laborieux, mais finalement, l'équipe de France a réussi l'essentiel. Oui. Et Christian Jean-Pierre, très certainement, va se retrouver en compagnie du sélectionneur national Aimé Jacquet. Oui, qui donne encore un conseil à Lilian Thuram. Aimé, la France a eu du mal, mais c'est venu sur la fin. Pardon ? La France a eu du mal à s'imposer, mais c'est bien venu sur la fin. Oui, on a eu pourtant une bonne entrée en matière, et puis par la suite... Notre jeu s'est un peu effiloché, mais ça se comprend aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs et de nouveaux joueurs. Il fallait reprendre un petit peu ses sensations collectives. Mais bon, c'est une bonne rentrée. C'est pas une équipe facile, hein, l'Afrique du Sud. Hein. Sur le plan offensif, vous avez appris des choses ce soir ? On apprend toujours quelque chose dans les matchs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une suite, une constance et une continuité dans tout ce qu'on veut faire. Et bien, bonne chance et bonne continuité. Eh bien, merci beaucoup à Christian Jean-Pierre et au sélectionneur national Aimé Jacquet, que nous retrouverons donc demain à 10h40 au cours d'un téléfoot où nous reviendrons bien sûr très longuement sur ce match et où il y aura un large panorama de tout ce qui s'est passé en Coupe du Monde au cours de ce samedi phénoménal où de nombreuses équipes se sont qualifiées pour France 98. Ici à Lens, donc, la France a gagné 2-1. Des buts signés Guy Varch et Bas contre un but de Bartlett. C'était des images de François Lanneau. Merci à nos amis de... Avec le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Manpower, réseau officiel de travail temporaire.